mettre même une petite dernière vie avec le quoi t'as pris la piste c'est pour me ralentir c'est une ralentir une ferme esprit. Bonsoir à tous. L'actualité de ce dimanche, largement dominée par les Jeux des îles à l'île de la Réunion. Vous l'avez entendu, Antoinette Milazar entre dans l'histoire des Jeux de l'océan Indien, étant la toute première à enlever l'or au semi-marathon. Épreuve inscrite pour la première fois aux Jeux des îles. Elle a fait flotter haut le quadricolore ce matin. Antoinette Milazar est la doyenne de la délégation mauricienne qui montre la voie aux siens et le résultat n'a pas tardé. Dans cette même épreuve, semi-marathon, chez les hommes, cette fois, un autre Mauricien s'est distingué. Jean-Luc Vilbrim remporte, lui, la médaille bronze et donc 15 médailles pour Maurice jusqu'ici, 6 or, 5 argent et 4 bronzes. Mais d'abord, revenons sur cet exploit d'Antoinette Milazar avec Jessie O'Gara. La Mauricienne d'origine Rodriguez, Marie-Antoinette Édouard Milazar, doyenne de la délégation mauricienne, entre dans l'histoire des Jeux des îles de l'océan Indien. Elle devient la toute première à enlever l'or dans l'épreuve du semi-marathon qui faisait son entrée à ce rendez-vous. Âgée de 41 ans, cette habituée de la Ligue de Cross et du marathon a bouclé les 21 km en 1h25 minutes et 13 secondes. L'arrivée a été jugée au stade Paul Julius Bénard à Saint-Paul en ce dimanche 2 août. Au début, je suis en 4e position, je suis la course. Et puis, je suis en 3e place, 19 km pour moi, je suis en derrière Malgas, 2e. Je suis en parce que je suis toujours un peu loin, je ne peux pas la jouer trop loin. Au moins 3e place, mais finalement, comme je peux suivre les autres, je ralentis, mais je prends les autres plus. T'arrives à la piste, c'est pour moi de ralentir. Je ralentis, je fais un sprint. En fait, le match est une performance à chronomètre là, mais voilà, nous sommes bien contents. Médaillée de bronze aux 5000 et 10 000 mètres aux Jeux de 2007 et sur le marathon en 2011, Antoinette Édouard Milazar frappe ainsi un grand coup à sa 3e participation. De quoi rendre fier son entraîneur et les dirigeants de l'athlétisme mauricien. C'est vrai, c'est une satisfaction pour la famille de Mifon et des grands fonds. D'après ce les temps qu'il fait, Maurice, nous t'attendons un peu de jeunes. Mais nous pas t'attendons de médaille d'eau. Mais aux 15 km, nous t'y finissons et nous pas une médaille d'eau. L'équipe de Maurice est vraiment fière d'Antoinette. Aujourd'hui, sa team madame, nous appelons team madame dans l'équipe ici. Et team madame nous donne une performance extraordinaire. Je vous dis, nous tout stade, qui, tout band mauricien qui est là ici, je suis tout ému. Et je suis tout fier d'Antoinette parce qu'elle est la douanienne de nous l'équipe à l'âge de 41 ans. À recevoir une médaille d'or dans ces conditions-là, c'est incroyable et extraordinaire. Chez les hommes, Jean-Luc Vilbrim décroche la médaille de bronze comme pour prouver qu'un bonheur ne vient jamais seul. Après, moi, oui, du quatrième, je suis le Mangas. Oui, je vais remonter pour les troisième position. Et finalement, je termine troisième. Et médaille bronze, je me satisfais beaucoup pour moi, d'après mon performance. Pour Vilbrim, pour moi, c'est une médaille d'or. Parce que définitivement, ça démarre, ça c'est beaucoup plus fort que Vilbrim, parce que c'est des spécialistes 5000, 10 000 mètres. Ça. Alors que Vilbrim, c'est un spécialiste de 42 km. Mais bon, une médaille de bronze, c'est une victoire pour nous. En 2011, aux Seychelles, Maurice avait récolté 11 médailles d'or en athlétisme pour prendre la 3e place. Antoinette Milazar, 41 ans, fait la fierté de Maurice, de même que Rodrigue. Engagée dans l'épreuve du semi-marathon, elle a couvert la distance en 1h25 minutes et 13 secondes. À Latanier, la nouvelle a été accueillie avec joie. Henri-Noël Pierre, lui, a rencontré sa famille à Rodrigue. Un sentiment de fierté, mais aussi d'une immense joie. C'est avec une émotion non dissimulée que la nouvelle de sa médaille d'or a été accueillie à son domicile à Latanier. Cette médaille d'or est avant tout le fruit de son travail et de sa persévérance. Dans CTR, ben le marathon a démarré. Je suis venu pour gagner un résultat. Vous aimez les nevers, mon radio.
Maintenant, les premiers médailles d'eau, c'est autant de Milazab. Ça a été une fierté pour l'île Audrey, pour la République Maurice, tout. Mm-hmm. Et je suis satisfait. Il est dans une satisfaction pour son entraînement, parce qu'il est levé parfois à 5h du matin, il fait son entraînement. Il fait son entraînement, il y a le travail, il y a le galopé, ça ne touche pas le côté, il pas dire qu'il y a le travail. Et trouver son défaut, il donne son satisfaction, son défaut qu'il fait. Oui, il y a une réunion là. Premier médaille d'eau, République Maurice, et c'est bon. Âgée de 41 ans, Antoinette Milazard est la doyenne de l'équipe de Maurice pour ses 9e Jeux des Îles. Elle est une habituée des podiums indien-océaniques, car aux Jeux des Îles de Madagascar en 2007, elle était double médaillée de bronze, tout comme en 2011 aux Seychelles, où elle avait décroché la même médaille au marathon. Les Jeux des îles de l'océan Indien sont bien évidemment à suivre sur la NBC. Au moins 6 heures de direct sont prévues quotidiennement sur NBC 3 et Sports 11 afin de vous permettre de vivre cet événement sportif et la performance de nos athlètes dans les différentes disciplines. Plusieurs questions avaient été soulevées. Le responsable des sports à la NBC, Jock Gokul, souligne que la retransmission en direct des événements dépend des arrangements entrepris par la station de télévision du pays organisateur. Les détails avec Megan Ponapanaiken. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Après l'ouverture officielle des Jeux hier, la compétition a démarré pour tous les pays participants. En termes de couverture, la MBC a déployé d'importants moyens et travaille sous l'égide de l'ARTOIS, l'Association des radios-télévisions de l'océan Indien, pour permettre aux téléspectateurs de suivre cet événement phare de la région. Tout a été mis en place pour une couverture quasi intégrale des Jeux. Quand on organise un Jeu des îles d'un pays concerné, c'est cette station radio-télévision qui prend les devants. Donc comme les Jeux se déroulent à La Réunion, c'est Réunion Première qui prend la direction des opérations, c'est l'IC qui signe convention des droits de diffusion et aussi les autres limitations entourant le processus avec le comité d'organisation. C'est à partir de là qu'il est établi un calendrier, une liste des priorités. Et ensuite, il appelle les autres stations radio-télévision pour collaborer dans sa opération-là sous l'égide qui nous appelle l'I de l'Artois. La direction de la MBC fait des efforts conséquents pour mettre une équipe importante le terrain. Alors chaque matin, nous demandons tout être à l'écoute de la radio et aussi à la télévision quand nous prenons une promotion régulière durant toute la journée qui pour permettre tout suivre les Jeux en toute fluidité. Chaque jour, les téléspectateurs auront droit à au moins 6 heures de direct, sans compter les compétitions retransmises en léger différé. La radio fait elle aussi la part belle aux Jeux des îles, notamment à travers les bulletins d'information et les directs depuis les sites de compétition. Nous, antennes radio, les restent ouverts quand nous appelons à l'heure des Jeux des îles de l'océan Indien, quand nous gagnons tout un breaking news, quand un Mauricien gagne une médaille d'or, quand arrive un événement très spécial, alors nous pouvons être très présent sur nos antennes de la radio. Tout ban sujet de reportage monté et aussi ban intervention en direct, nos ban journalistes qui à l'île de la Réunion, pour en prime, comment nous dire, dans le journal télévisé. Mais les autres ban bulletins d'information également, quand nous prévoyons ban intervention en direct et aussi reportage, différents reportages. Donc, pour une large couverture médiatique, une diffusion, nous capables d'intégrale des Jeux des îles de l'océan Indien. Vous ne raterez rien des faits marquants de chaque journée de compétition. Club Maurice, magazine spécial sur les performances mauriciennes, sera diffusé quotidiennement à 19h20 sur MBC 3 et Sports 11. Il sera suivi du magazine régional de l'Artois, toujours consacré au 9e Jeu des îles de l'océan Indien. Et nous avons en direct dans ce journal Robert Deschambault. Bonsoir Robert. Oui, bonsoir Sadna. Alors dites-nous quels sont les arrangements pour la retransmission en direct des épreuves où les Mauriciens sont engagés. Alors vendredi Sadna, peut-être connaît qui avant la cérémonie d'ouverture des Jeux, finira une rencontre de football. MBC finit faire tout pour donner l'information sur le match de Réunion Maurice. D'ailleurs, nous finissons passer le match en direct. L'eau NBC Cool FM à 18h vendredi, et ce grâce à la collaboration
de nos confrères de Radio Réunion. En même temps, nos journalistes Vikash Bagirati qui, comment le dire, on-site à Saint-Pierre pour enregistrer le match et diffuser ultérieurement ce qu'ils vont faire du reste pour le lendemain. Alors, le programme initial de retransmission de l'Ordre Noir qui regroupe différentes télévisions de l'océan Indien, dont Réunion Première qui host, broadcast des Jeux, eh bien, il n'est pas qu'il prévoit du reste un direct pour le match Réunion-Maurice à Saint-Pierre. Et la raison qui fut évoquée par les techniciens de la télévision régionale, c'est qu'il y a un problème de captation et qui, bien évidemment, n'est pas relève de l'MBC. Et puis le lendemain, samedi, au niveau des Jeux des îles de l'océan Indien, qui débute officiellement la cérémonie d'ouverture, et là, l'événement où tu es capable de suivre en direct le Sports 11, le nouvelle chaîne. Et le même jour, quand l'équipe fin débarque à Saint-Denis, la veille, nous commençons à faire plusieurs séries de reportages, d'interventions à la radio et à la télévision, comme en Jogokul Finjali, il y a une intervention régulière qu'il fait pour MBC radio et télévision. Et aujourd'hui, du reste, pour la première journée de compétition, déjà, Mauricienne capable de vivre le match de basket entre Maurice et Mayotte, un exploit de domaine athlète en athlétisme. Et un peu plus tard, donc dans une vingtaine de minutes, le match de volley Réunion-Maurice, donc ce sera à 20h, match qui peut être commenté par Vikash Bagirati. Alors, il y a aussi, évidemment, 14 disciplines dans sa Jeux des îles-là. Il y a un programme de retransmission qui déjà être soumis par l'Ortois avec Télévision La Réunion, c'est-à-dire Réunion Première, mais aussi un calendrier de différés qui nous capable d'adapter selon les télévisions, puisque tout ça, ben Zimaza, Gal, Verben, chaîne qui fait partie de l'Ortois, Madagascar, Seychelles, et bien sûr Maurice dedans. Et chaque télévision est capable d'adapter la programmation, de différer à sa propre programmation. Alors donc, il y a un plan de direct. Alors comment nous recevoir? Il y a deux canaux qui nous recevront. Il y a un canal qui est utilisé prioritairement pour transmettre direct et différer un site réceptif. Il y a une autre liaison, qu'on appelle la liaison OCA, qui permet de transmettre direct et différer complémentaire et surtout une contribution, comme on a vu un reportage, vers différents sites. Mais évidemment, quand il y a un live qui peut dérouler, nous pouvons atteindre le tour pour avoir différents magazines et reportages, comme c'est le cas d'ailleurs ce soir avec le magazine Club Maurice qui nous a déjà envoyé. Nous finissons d'aller dans le reportage précédemment. Et là donc un magazine de l'Ortois qui fait le résumé des jeux avec différentes au fait de la journée. Mais nous, avec l'équipe qui est là sur place, nous pouvons concentrer sur les performances mauriciennes. Et aujourd'hui, ça a été une belle journée. Et nous sommes capables de dire déjà qu'il nous arrive jusqu'à la fin de la journée 6 médailles d'eau, ce qui place Maurice en tête du classement. Pour revenir aux questions, bien évidemment, avec nos confrères de télévision de La Réunion, Réunion Première, il y a une correspondance régulière qui se finit faire surtout pour une journée de compétition et pour informer une télévision de l'océan Indien, des directs et des différés. Et si il y a aussi un amendement, donc voilà, ça se fait vraiment très minutieusement, mais déjà, nous connaissons à peu près qui live nous peut faire, parce que toutes les télévisions y impliquées, c'est un travail en commun qui nous peut faire. Du reste, la production du match de volley sur le sol réunionnais, il peut faire par la télévision seychelloise, la SBC, avec les commentaires d'un journaliste mauricien, mais la MBC est en charge totale de la retransmission de judo, déjà mardi, mercredi et jeudi, et également de la boxe. Et puis, bien sûr, si Maurice a le dans final football, nous pouvons aussi nous à dire nos contributions. Mais il y a aussi un grand format qui nous peut préparer. Du reste, il y a deux disciplines que Maurice est éventuellement capable de ramener une médaille, badminton et tennis de table. Et là, même si l'auto n'a pas fini de prévoir du direct, même si l'auto n'a pas fini de prévoir de différer, nous pouvons prendre les devants et nous pouvons enregistrer en grand format les finales de badminton demain et les finales de tennis de table pour que nos téléspectateurs gagnent ça plus qu'ils disent au niveau de l'océan Indien. En tout cas, il y a une équipe qui fait travail d'arrache-pied, que ce soit à La Réunion
et à Maurice pour qu'on vous donne tout ce qu'il peut faire, qu'on donne le meilleur produit possible, les meilleures informations possibles, que ce soit à la télévision comme à la radio. En tout cas, tout se fait dans un travail de concertation avec les télévisions de l'Océan Indien, notamment nos confrères de Réunion Première. Et le plus encore qu'il a ajouté pour cette intervention, c'est de dire que les Jeux peuvent être aussi suivis sur notre site de la MBC et que qui peut donner la totalité des retransmissions, que ce soit en différé et en direct. Et ça, c'est une négociation qui MBC fait une réussite tout semaine, du monde qui est capable à l'eau semaine website là, à l'eau sous website D'accord. pour suivre l'événement. D'accord, Robert Deschambault, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et donc, 17 médailles pour Maurice jusqu'ici, 6 or, 7 argent et 4 bronze. Parlons athlétisme à présent. L'hymne national a retenti 5 fois. Nos athlètes qui ont fait honneur à la nation faisaient flotter le drapeau national dans le stade réunionnais pour les cérémonies protocolaires. Nos handisports également à l'honneur en décrochant 3 médailles d'or. Eshan Mortoza. Le quadricolore a flotté très haut dans le ciel réunionnais avec la médaille d'or d'Antoinette Milazar au semi-marathon et de Jonathan Drac en triple saut avec un bond de 17,05 m. Nos cyclistes, eux, ont pris la médaille d'argent lors de la course contre la montre par équipe long de 48,5 km en 1h, 4 minutes et 20 secondes. Au 1500 mètres hommes, Paramasivan Sorminaden et Mohamed Doukan ont eux aussi brillé avec la médaille d'argent et la médaille de bronze autour du cou. Nos représentants en handisport ont eux participé à la fête avec une médaille d'or et une médaille d'argent lors des 100 mètres réservés aux non-voyants. Donc la 6e médaille d'or pour Maurice en saut en longueur masculin avec un bond de 6,36 m de Vincent Duval. Et nous retrouvons dans ce journal également Rajiv Gunpot. Rajiv, la moisson a été bonne pour Maurice pour cette première journée des épreuves? Oui, Sedna, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, belle moisson, on peut le dire, pour les Mauriciens lors de cette première journée, véritable première journée de compétition. Et ce qu'on a pu compiler ici à notre niveau, 6 médailles d'or pour Maurice jusqu'ici, Vincent Duval, longueur handisport, Antoinette Milazar, c'était ce matin notre première médaillée d'or. Et puis Jonathan Drac, Henri Rosario Marianne, Louis-Stéphane Noëlette Casimir en athlétisme et en e-sport bien évidemment. Et puis médaille d'argent, Sneha Bikia, Paramasivan Sorminaden, également Vania Vully. Et puis bien sûr cyclisme en cyclisme, c'était contre la montre par équipe, où Yannick Lincoln et ses coéquipiers ont tout fait. Et il y a également Jean-Yann Degrasse en athlétisme, l'épreuve reine du 100 mètres, médaille d'argent pour Jean-Yann Degrasse. Les médaillés de bronze maintenant, Mamad Doukon, Didier Julie, Jean-Luc Villebrun, c'était ce matin, Bernadette Perrine, lancée de poids, Bernadette Perrine a sa 6e participation, tenez-vous bien, au Jeu des Îles. Il y a eu également Guillaume Thierry à la perche et puis Fabrice Ekouafik au 100 mètres, le 100 mètres, l'épreuve reine et la finale remportée par Hassan Saïd des Maldives. Puissante accélération dans les derniers 50 mètres pour l'emporter et permettant aux Maldives de remporter une toute première médaille d'or. Et il y a eu également d'autres résultats aujourd'hui, Sadna. Ce fut une belle journée avec en badminton notamment les éliminatoires dames. Maurice Madagascar, Maurice qui s'impose 5-0. Badminton équipe éliminatoire homme. Maurice Seychelles 4-1 pour les Mauriciens. Maurice Madagascar 5-0 donc pour l'île Maurice. Et puis en tennis, pas mal de matchs. Dylan Alec Foukyoun qui a été abattu, le Mauricien, par Iqbal Mundroa des Mayotte.
6-1-6-0. Jacob Rajolondrazan de Madagascar qui bat Camille Patel 7-5-6-2. Également une défaite pour Ryan Chitatuong de Maurice. Et sinon, on va retenir en tennis de table, équipe éliminatoire homme, Maurice Maldives 3-0 pour Maurice. Maurice Madagascar toujours 3-0 pour les Mauriciens. Tennis de table, équipe éliminatoire dame, Maurice Madagascar 3-1, Maurice Seychelles 3-2. Ce qu'on va retenir également en tennis simple chez les dames, le premier tour, Amélie Boy de Maurice qui bat Eva Payette de la Réunion 6-1-6-4, Zara Lennon qui bat Fatim Kant, Zara Lennon la Mauricienne 6-1-6-2. En handball, équipe Maurice, Maldives dames, Maurice qui s'impose 34-13. En basketball, équipe éliminatoire homme, Maurice qui s'impose 77-60 face à une équipe des Maldives. Un peu côté résultat ce soir, Sedna, ce qu'on peut dire, et à l'heure où je vous parle, il y a aussi les éliminatoires en boxe qui se tiennent actuellement. Et pour demain, si vous me le permettez, bon, il y a pas mal à dire, mais on va vous dire l'essentiel pour demain avec les directs en athlétisme, notamment à partir de 16h. Et puis, il y aura de l'athlétisme à 17h20 aussi. Et ce match de volleyball, demain, 20h, Réunion, Maurice. On va vous en dire plus, sans doute, demain matin dans nos différents points, mais également au cours de la journée de demain. Voilà, Sedna, pour les résultats côté mauricien ce soir. Rajiv, donc 15 médailles plutôt totales. Est-ce que vous pouvez nous dire où se place Maurice dans le classement des Jeux? Bon, écoutez, à l'heure où je vous parle, on attend le classement final. Mais à ce qu'il paraît, Maurice vire en tête au tableau des médailles avec 6 médailles d'or. Merci beaucoup Rajiv Ganpat pour toutes ces précisions. Alors la première journée de compétition tennis de table a démarré aujourd'hui. Comme l'a dit Rajiv Ganpat, ce sont des éliminatoires par équipe qui se déroulent à Sainte-Clotilde. Dans cette discipline, les premiers médaillés dans cette discipline seront connus demain. Reportage de Jessie O'Gara. En tennis de table, premier jour de compétition ce dimanche 2 août au gymnase de Deux-Canons à Sainte-Clotilde. Ce sont les éliminatoires par équipe qui étaient au programme. En présence de seulement 5 équipes en masculin et en féminin, la compétition se déroule selon un système de championnat dans une poule unique. Chaque pays dispute 4 matchs. Le niveau est plus ou moins le même, sauf qu'il y en a beaucoup ben jeunes qui ne remplacent ben anciens dans ben différentes îles. Et là même, là, nous peut gagner une idée comment, qui quand c'était serré, mais pareil comme on vient de dire auparavant, et tout pour départager au niveau psychologique, mon pensée. Ce lundi 3 août, place aux 2 autres matchs de cette ligue dans la compétition par équipe et les médaillés seront connus le même jour. Les finales en double sont programmées pour ce mercredi 5 et la compétition de tennis de table prend fin ce vendredi par les finales simples. Et donc, les sportifs comoriens regagneront Moroni ce lundi et quittent ainsi définitivement les Jeux des îles. Une décision prise après que la délégation mahonaise ait défilé en survêtement bleu-blanc-rouge derrière le drapeau français. Le port des tricolores, des couleurs plutôt tricolores par les sportifs mahorais est une première depuis la création des Jeux des îles en 1979. Écoutez les commentaires du ministre des Affaires étrangères, Étienne Sinatra. Tambou est au micro de Jimmy Lamorade, Pierre Box. Ben, moi, quoi, premièrement, nous disons que c'est malheureux pour les Jeux des îles, qui nous disons énormément, un bon pays participant, qui retient. Et les chagrinants, parce que les Jeux des îles, ce n'est pas une question de compétition, c'est une question de fraternité. Et seulement, nous disons que nous disons comprend le point de vue quand même des Comoriens. Parce que vous connaissez, quand nous guettons la charte des Jeux des îles, qui régit les Jeux des îles océan-indien,
et non un homme antique qui est bien clair. Et vous connaissez quand il a accepté l'adhésion de Mayotte en tant que membre à l'unanimité, cette adhésion était soumise à une série de conditions. Et parmi les conditions qui contenaient d'ailleurs à l'article 10 de la charte, si vous voulez, des Jeux des Îles, les clercs qui, en toute occasion et cérémonie, côte bizin et non l'usage d'un drapeau, d'un pavillon, tombent d'accord qui Mayotte pas gain droit servi aucun symbole de l'État français, que ce soit le pavillon ou l'hymne national. Et dans l'article 10, c'est clairement stipulé qui Mayotte supposé servi pavillon des Jeux. Et les malheureux qui font la violation de cet article, qui est non la conséquence qui les Comores peut retirer. Peut-être selon vous, qui la manche à suivre Comores capable de prendre? Ben clairement, les visas, à mon avis, soulèvent la question au Conseil permanent international des Jeux des Îles. D'ailleurs, n'importe qui membre capable de faire ça, pas besoin de Comores. Ou pas capable de mettre un règlement qui régit autant Mayotte, la Réunion que la France et que les autres pays, mais qui après, ben là, viole le règlement. Et après ce retrait, Maurice a de bonnes chances d'organiser les prochains Jeux des Îles 2019, selon Philippe Houtin-Woon. Il a aussi été question de la 29e session ministérielle de la CJSOI. C'est confirmé, les 10e Jeux se tiendront à Madagascar en 2016, une session à laquelle assistait le ministre des Sports mauricien, Robert Deschambault. Fin de la 29e session ministérielle de la CJSEI ce dimanche à Saint-Gilles, une réunion qui s'est tenue en présence de la majorité des responsables sportifs de la région, dont le ministre mauricien de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sorminaden. Plusieurs thèmes ont été évoqués, notamment la tenue des 10e Jeux de la CJSEI en 2016. Et donc il y a quelques décisions majeures qui viennent prendre. D'abord, donc, les 10e Jeux de la CJSEI pourraient avoir lieu à Madagascar l'année prochaine, en 2016, du 1er au 7 août. Et aussi, donc, après une motion de la Réunion concernant la périodicité des Jeux, nous faisons décider qui graduellement nous passe donc d'une périodicité de 2 ans à 4 ans. Donc, ce qui fait qu'en 2018, nous faisons une dernière édition donc, des Jeux de la CJSOI qui finit attribuée à Djibouti. Et après, en 2021, nous passons sur une périodicité de 4 ans. L'actualité du jour, c'est aussi le retrait des Comores des Jeux des Îles de 2015 ou encore les premières médailles attribuées. Bon, c'est triste ça qui fait arriver hier, surtout les Comores qui aujourd'hui n'est pas présent. Le Titan dit qu'à la dernière minute, il sera présent, mais malheureusement, il n'est pas là. Et la commission finit par la décision pour laisser ça, comme c'est quelque chose de purement politique, laisse la commission de l'océan Indien prendre position là. Et surtout, trouver une solution pour qu'à l'avenir, nous ne pas affaiblir les jeux qui peuvent venir après. Pour retourner au jeu, Maurice Ngaï, une première médaille avec Antoinette Milazor. Qui aux réactions en tant que ministre des Sports? Très content qu'ils aient dit, même nous décrochons nos premières médailles très tôt le matin. Et mon cas, c'était un très bon début. Et surtout au niveau des garçons aussi, nous pouvons atteindre la médaille d'or malheureusement. Et fin flanché à la dernière minute, mais pas grave. Moi, nous avons encore les autres épreuves qui peuvent venir. Quant au ministre français des Sports, Patrick Kanner, il devait rappeler que les Jeux sont l'initiative de la France et que l'actualité ne doit pas gâcher la fête de la jeunesse de l'océan Indien qui croit en son avenir. Tous derrière la sélection mauricienne. Accident de la route à Tayac, dans le sud du pays. Un minibus a fait une sortie de route et a percuté un arbre. Il y a eu 9 blessés selon les informations de la police. L'état de santé du chauffeur est jugé sérieux. Le SAMU a été dépêché sur place. Cet accident avait provoqué un ralentissement de la circulation. Les circonstances de cet accident restent à être déterminées. Et justement, cette semaine a été marquée par les amendements à la loi quant à la sécurité routière. Plusieurs contraventions ont été établies ayant trait aux écarts de certains usagers de la route. Un thème qui interpelle tous les Mauriciens, les nouvelles mesures visant à faire baisser la prévalence des accidents. Il en sera question lors du débat à la MBC Radio demain après-midi. Les invités de l'heure des questions, le chef inspecteur Moïse Rama de la Traffic Branch de la Force policière
et Dharamdev Natu, chef ingénieur à la Traffic Management and Road Safety Unit. Il sera entre autres question de la vitesse, de l'alcool au volant, la fatigue, le champ de vision, les distances de freinage et les conséquences des impacts. L'heure des questions à suivre à 17h, entre 17h à 18h plus tôt sur Cool FM. Et vous pouvez participer à l'émission en appelant sur le 402 80 80. Cancer, le défi, c'est la nouvelle émission de la NBC qui sera diffusée le premier mardi de chaque mois, présentée par Ravin Jaipal dans une production d'Avinash Bisundoyal. Cancer, le défi est un dossier mensuel qui souhaite surtout démystifier le cancer à Maurice et sensibiliser le public sur les causes, les symptômes et les facteurs de risque. Cancer, le défi, rendez-vous sur la première chaîne télé mardi le 4 août à 20h15. Voici un avant-goût. Le cancer. Il y a une maladie assez grave. Dans le monde, en 10 ans, 2005-2015, 85 millions de décès. La première cause de mortalité. À Maurice, chez nous, troisième cause de décès dans l'île. Cancer, c'est une transformation d'une cellule normale à une cellule cancéreuse. 2013, fin recense 2107 cas de cancer. Cigarette bien arrêtée, c'est peut-être utilisation de pesticides à outrance. Hein. Pollution bébé, tout ça là. Une série de 13 émissions. L'idée est de sensibiliser l'opinion, conscientise la population sur les facteurs de risque, les symptômes, la prévention, les soins et l'encadrement. Je veux gagner une médecine moderne et faire beaucoup de recherches. Moi, je trouve un petit gros CS, c'est pas qu'il quelque part dans cette époque, pas tarder ou de targuer de ce médecin. Il n'y a pas besoin de tabou, parce que s'il y a un tabou, nous prenons une frayeur, nous vivons négatif. Le docteur, j'ai non, pas découragé, c'est pour bien. Être moins bien efficace, nous besoin de confiance dans la médecine. La mission de la présidente de la République à Rodrigue a pris fin aujourd'hui. Une mission qualifiée de très satisfaisante selon Amina Gharib Fakim. À l'agenda de cette journée dominicale, rencontre entre autres avec les agriculteurs et une visite à la serre du collège Maréchal. Danigel Colette. Une matinée très chargée pour la présidente de la République, Amina Gharib Fakim, en ce dimanche. Au programme, une rencontre avec les agriculteurs de l'île. La présidente de la République a fait un exposé sur le thème de la biodiversité de l'île Rodrigue et ses potentiels. Une façon, selon elle, de créer des opportunités pour développer un marché pour plusieurs produits tels que le limon, le piment et les plantes médicinales, entre autres. Présent pour l'occasion, le chef commissaire soutient qu'il est important de réorganiser le service agricole à Rodrigue. Il annonce aussi la mise en place d'une unité de recherche. Un exposé bien accueilli par les agriculteurs présents. Là, nous donne une opportunité à Rodrigue, et l'école de métier qui nous donne, ça veut dire nous avons le service à une opportunité là, comme si nous ne mettons pas dans un fermé, nous valorisons. Nous avons le service à comme un exemple, un vétiver aussi, nous avons avec grande échelle, et il est bon pour capable venant beaucoup de produits qui nous ont servi parce qu'ils nous donnent beaucoup d'opportunités pour nous capables d'avancer. Quand nous sommes dans la difficulté concernant nous manquons de problèmes de finances et quand des acquisseuses là devant nous, mais madame là, nous mettons sous nous la main, nous, la balle dans nos camps, nous qui nous inquiétons, dans quelle manière nous nous faire. En plus, surtout, l'une cause beaucoup, là, c'est qu'appelle l'environnement marin et l'environnement terrestre. C'est-à-dire, nous besoin pour nous lancer beaucoup dans la biodiversité et vous trouvez qu'il là une méthode devant nous toute bonne possibilité qui est là. Avant de reprendre l'avion pour Maurice, la présidente de la République, accompagnée du chef commissaire et des autres commissaires, ont visité la serre du collège de Maréchal. Dans une déclaration, la présidente de la République a exprimé sa satisfaction. Elle reviendra, dit-elle, pour suivre le parcours économique de Rodrigue.
Après mon premier déplacement officiel à Rodrigue, j'ai besoin de dire qu'ils m'ont vraiment apprécié la chaleur de l'accueil du peuple rodriguais et que moi j'ai toujours connu qui tient sa sentiment effectivement de fraternité entre Maurice et Rodrigue et que là mon vivre moi extrêmement satisfaite avec mon visite ici. Mais ce qui m'a aussi plus content, c'est qu'ils m'ont gagné l'occasion de partager un peu un petit peu connaissance qui m'ont donné tout ce qui est le potentiel du secteur de la biodiversité et que mon gars l'occasion de partager ça. Donc, mon essai peut-être fait une prise de conscience parmi le peuple rodriguais du potentiel qui se tenait, de l'authenticité de Rodrigue et que c'est une authenticité, un trésor qu'ils ont besoin systématiquement valoriser parce que c'est ça qui poutille Rodrigue vers le haut. Et aussi, c'est que mon conscient dire, ben, le peuple rodriguais, c'est pas arrêter de sourire. Et qu'il est très important parce que le sourire, il n'est pas coûte rien, mais il transforme vraiment l'accueil. Et surtout quand on vise un marché touristique, ça sourire-là, il compte beaucoup. En tout cas, je vous ai dit merci au peuple rodriguais et que vous pourrez venir. Vous pourrez venir assez souvent à Rodrigue parce qu'ils m'ont les suivre effectivement le parcours de développement économique et que surtout, nous besoin qu'à apprendre la main dans la main et que mettre la tête ensemble pour travailler pour le bien-être du peuple rodriguais. Après la séance photo avec les membres de l'Assemblée régionale, la présidente de la République, Amina Gherib Fakim, a regagné Maurice à bord du vol MK-121. Le village de Poudre d'Or a un nouveau poste de police après celui qu'il abritait depuis 1822. L'inauguration a eu lieu le jeudi 30 juillet par le commissaire de police Mario Nobin et ce en présence de plusieurs hauts cadres de la police. 38 policiers y seront affectés. Sarah Ono. Ce nouveau poste de police fait la fierté des habitants du village de Poudre d'Or. Ils étaient un petit groupe d'ailleurs à assister à l'inauguration du nouveau bâtiment. Il y a une grande fierté pour nous habitants de Poudre d'Or, nous gagnons du jour comme ça dans nos endroits. Et je suis capable de rassurer vous qu'il nous a une bonne relation avec la police. En tant donné qu'il nous là dans le village bien longtemps, nous avons une vieille station. Là, nous avons une bonne station qui va la police à faire du travail bien correct. Nous avons un problème, tout en une bonne relation avec les policiers. La police des Poudre d'Or sont vraiment aimables, vous êtes corrects, vous êtes abordables. Et à toute bonne requête qu'ils nous font, nous gagnons ici pour la police. Construite en 1822, l'ancien poste de police sera transformé en salle de gym pour les membres de la force policière affectée à Poudre d'Or. Le commissaire de police Mario Nobin parle d'encourager les policiers pour qu'ils puissent donner un meilleur service aux habitants. Ce nouveau poste de police, il représente beaucoup pour la région. Il y a une signification extraordinaire pour les habitants de la région dans la mesure que la police, dans son souci d'améliorer la qualité de service, peut faire en sorte que les policiers, sur l'encadrement de travail, peut améliorer énormément. Nous pensons que si le policier, sur l'encadrement de travail, peut améliorer, il faut donner un meilleur service aux citoyens, à chaque citoyen et à toute la population dans son ensemble. Certains des officiers affectés au poste de police de Poudre d'Or se retrouveront aussi bientôt dans un programme de Customer Care pour mieux répondre aux besoins des villageois. Le Vivea Business Park est aujourd'hui une réalité. Depuis 2009, le centre d'affaires s'est implanté sur le site de l'ancien établissement sucrier de Moka. C'est un projet de 500 millions de roupies. Plusieurs entreprises y ont installé leurs bureaux. MDA Properties Limited, une compagnie d'ENL qui gère Vivea Business Park, a présenté ses réalisations aux journalistes. Voyons les détails avec Daniel Haïti. Le Vivea Business Park est sorti de terre il y a 6 ans. Aujourd'hui, le développement continue pour donner une deuxième vie à l'ancienne usine sucrière de Mont-Désert-Alma. 45 hectares de terre où les promoteurs allient présent et passé. Des bâtiments, des routes et des espaces de parking ont été aménagés tout en gardant le cachet historique du lieu. Le Vivea Business Park abrite des groupes tels INL et Alteo et les bureaux de plusieurs entreprises engagées dans l'informatique, les services financiers ou encore l'architecture. Nous sommes assez fiers. Une réussite redonne une nouvelle vie à cet endroit où il y avait une sucrerie, l'endroit qui a eu beaucoup d'importance dans le village. Donc aujourd'hui, c'est un business park qui peut matérialiser avec différentes activités, mise à disposition d'espaces de bureaux,
où quand nous trouvons une entreprise de ICT peut établir, une entreprise de finance, etc., puis vient établir ici, en même temps, qui peut côtoyer l'activité agricole, l'activité de chargement de canne, la culture de légumes, la culture de plantes. Donc tout ça, c'est des activités qui nous pensaient vraiment au niveau intégration, il y a un peu de temps pour matérialisation de Business Park. Vivea Business Park a aussi une vocation sociale. Les petits planteurs de la région peuvent y déposer leur canne à sucre qui sont ensuite transportés à l'usine d'Alteo dans l'est du pays. En 2016, le centre d'affaires convertira ce vieux bâtiment en une crèche pour faciliter la vie des personnes qui y travaillent. Aider les enfants à mieux s'exprimer, et ce à travers l'art, c'est l'objectif dans lequel s'est lancée l'ONG TIPA. Une journée d'initiation a eu lieu à l'école Guy-Rosemont à Trangbar. Les parents ont eu l'occasion de visiter une exposition des œuvres réalisées par des enfants. Johnny Rai. Des petits pas à travers l'art, aider les enfants à mieux s'exprimer, une initiative de l'ONG TIPA. L'initiative veut surtout aider les enfants à mieux prendre conscience de leurs talents, les aider à se sentir valorisés, mais aussi les permettre d'apprendre tout en se faisant plaisir. En fait, là, il y a un potentiel de développement de la personne qui est assez énorme, c'est-à-dire déjà, il y a une source de plaisir. Et une recherche, il montrait à travers une recherche sur l'éducation qui, quand les enfants là, il éprouve du plaisir, il a vraiment une facilité d'apprendre, c'est-à-dire il apprend plus vite quand il peut prendre plaisir pour faire sur l'activité. Donc à travers l'art, ce qui nous permet de développer chez les enfants, c'est les compétences citoyennes, des valeurs citoyennes comme le respect, la participation, la confiance en soi. Pour les enfants, les cours de théâtre les a permis d'avoir plus confiance en eux-mêmes. Ils ont appris à mieux s'exprimer. Depuis nous vivons dans l'école là, depuis le quatrième, nous faisons théâtre. Là, nous sommes bien contents. Ils apprennent nous droit des voitures. Ils apprennent nous exprimer nous bien. Qu'on exprime fort, pas garanti. Je suis plus content de faire théâtre parce qu'ils expriment nous. Moi, je me sens à l'aise là-dedans. Je m'exprime moi, je ne vais pas garanti. Ils apprennent nous faire une taxe pour aider nous quand nous vivons grand tout. Quand nous faisons TIPA, fait nous gagner confiance en nous-mêmes, pas fait nous gagner honte. Il y a également eu une exposition des œuvres réalisées par les enfants. Une occasion pour les parents d'apprécier ce que font leurs enfants lors de ces classes d'art. Voyons les nouvelles du temps à présent. Et quelques millimètres de pluie ont été enregistrés dû au passage d'un front froid ce matin. La température maximale était proche de la moyenne saisonnière avec 22,5 degrés à Vaqua et 28,2 degrés Celsius à Port-Louis et Queen Victoria à 4,6 millimètres. Le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 60 et 85%. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1019 hectopascales. Écoutez les précisions de Philippe Virabadran. Aujourd'hui, nous avons un fond froid qui traverse ce matin, nous donnons un petit peu la pluie, un peu partout dans l'île, mais pas mal grand quantité la pluie. Plus beaucoup, nous avons 7 mm à Richondeau. Et température retourne proche de la moyenne saisonnière, à Vaqua, nous avons 22 degrés et à Port-Louis, environ 28 degrés. Le photo satellite, nous trouvons un front qui traverse ce matin-là, représenté par un nuage-là. Et que, comme on dit, il n'y a pas trop beaucoup la pluie là. Par contre, ça, l'autre ligne d'instabilité qui trouve le Rodrigue, il y a 14 mm à Citronelle. Étant donné que Magnaza pour finir de décaler, demain, les temps là pour ensoleiller à Maurice. Mais ça, Magnaza pour simper le Rodrigue, pour prendre les temps plus vieux pour pester le Rodrigue demain également. Et que l'eau à Galéga, nous avons un bouton. Ici, nous, côté synoptique, nous trouvons qu'il y a un anticyclone peut foncer, puis approche nos régions. C'est pourquoi nous attendons du vent là pour renforcer graduellement. Et pour souffler depuis le secteur sud. Et un affaire de 25 à 30 km à partir de ce soir. Les prévisions pour Maurice, beau temps à l'exception de quelques ondes isolées ce soir sur les versants vent et le plateau central. La température minimale sera entre 13 et 16 degrés Celsius sur le plateau central et entre 17 et 19 degrés Celsius sur les régions côtières. Ensoleillé demain. La température maximale sera entre 19 et 21 degrés Celsius sur les hauts et entre 24 et 27 degrés Celsius ailleurs. Le vent soufflera du sud de 25 km/h, se renforçant davantage durant la nuit. La mer sera agitée au-delà des récifs. Les sorties en haute mer sont déconseillées.
Les prévisions pour Rodrigue, nuageux avec ondées isolées sur les hauteurs ce soir. La température minimale sera entre 18 et 20 degrés Celsius, mi-couvert demain. La température maximale sera entre 25 et 27 degrés Celsius. Le vent sera léger. Le vent soufflera du sud à 25 km/h demain. La mer sera agitée au-delà des récifs. Les prévisions pour Agalega, beau temps durant la nuit. La température minimale sera d'environ 25 degrés Celsius, ensoleillé demain. La température maximale sera d'environ 31 degrés Celsius. Le vent soufflera d'est-sud-est de 25 km/h. La mer sera agitée. À Maurice, le soleil se lèvera à 6h39 et se couchera à 17h54. Marée haute demain à 2h29 et 15h20. Marée basse demain à 9h03 et 21h27. Le soleil se lèvera à 6h15 à Rodrigue et se couchera à 17h30. Marée haute demain à 2h19 et 14h47. Marée basse demain à 8h37 et 20h52. À Galega, le soleil se lèvera à 6h30 et se couchera à 18h10. Marée haute demain à 5h24 et 17h49. Marée basse à 23h51 et demain à 11h43. Et avant de clore ce bulletin d'information, retour à la Réunion encore une fois où le piton de la Fournaise est entré en éruption vendredi 31 juillet au matin. Il s'agit de la troisième fois depuis le début de l'année. L'éruption n'a pas pris de cours l'observatoire volcanologique. Le phénomène a été annoncé la veille. L'accès au public a été interdit au plus près du cratère, mais les touristes et les locaux ne veulent pas manquer une miette du spectacle. Je vous laisse découvrir. Sur ce, bonsoir.